Bon, alors, votre décision. Est-ce que vous avez pris connaissance donc, de l'arrêté donc, du Conseil d'État qui nous autorise à enregistrer? Est-ce que vous nous autorisez à enregistrer la fin des débats? On dit ceci, M. Charton. On dit ceci, il faut bien tout lire. Ce droit reconnu par la jurisprudence administrative a conduit les juges à considérer comme illégale l'interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités d'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'Assemblée communale. Et là, c'est le cas. Donc, quel motif, monsieur le maire? Trouble pas. Je pense que... Ben, vous voyez, question définitive. Vous avez averti personne que manifestement vous faisiez l'enregistrement. Comment? Je maintiens. Je pense que c'est un trouble. C'est un trouble à l'ordre. C'est folklorique, monsieur le maire. Vous êtes folklorique. Ah ben là, oui, bien sûr, j'enregistre. Vous n'avez pas encore interdit de couper l'enregistrement. Je vais vous demander de couper votre enregistrement, ça c'est clair. Et puis on étudiera ce texte et on vous rendra réponse. Étudiez le texte maintenant, monsieur le maire, s'il vous plaît. Je ne suis pas juriste. Parce que vous savez les textes. On n'en est pas là. Monsieur Bruno, on n'en est pas là. Je dis simplement, je ne dis pas que votre texte est faux. Eh bien alors, dans ce cas-là, je continue d'enregistrer, monsieur le maire. Je vous remercie. Non, mais je ne dis pas qu'il est juste. Voilà, je tiens à l'analyser. Vous n'êtes ni pour ni contre, bien au contraire. Aujourd'hui, demain, je prendrai position. Voilà, c'est clair. Non, mais c'est ce soir que c'est important d'avoir l'enregistrement, parce que le prochain conseil, ça sera... Oui, le prochain conseil, on verra. Pour l'instant, on verra au prochain conseil, donc je vous demande d'arrêter votre enregistrement. Alors vous me donnez une raison valable, monsieur le maire, pour arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. Que vous le fournissez maintenant. Je vous dis simplement, vous le fermez parce que vous fournissez un test. Je ne sais pas d'où il sort. Il sort du Conseil d'État, monsieur le maire. Votre premier adjoint a eu connaissance lors du dernier conseil. Michel, bon, tu peux confirmer. Tu as lu. Ok, c'est très bien. Je vous demande simplement de tenir tenir compte de cela. Vous me donnez un test. Je viens de vous le donner, monsieur le maire. Je l'étudie et je le ferai appliquer. Je viens de vous le donner, vous l'avez sous les yeux. C'est parfait, je ne suis pas juriste. L'essentiel est que votre décision soit accordée sur le... Je ne suis pas juriste. Voilà, simplement. Donc, si c'est le cas, eh bien, on le fera. D'accord. Voilà. Bien. Donc, je continue l'enregistrement, monsieur le maire. Non, je vous ai dit non. Je vous demande de me donner une raison valable, s'il vous plaît. Je viens de vous la donner. Alors, donc, le résultat du vote. C'est beau, 15. D'accord, très bien, parfait. Monsieur le maire, le minimum serait de 15. Vous avez déjà donné l'autorisation à François Charton d'enregistrer? Ah non, jamais. Quand il était Jamais, monsieur. Jamais. D'ailleurs, monsieur le maire, je pense que j'ai... Jamais. Vous savez très bien que le conseil est enregistré, parce qu'effectivement, on s'est servi d'un enregistrement pour rédiger un compte-rendu. Ça c'est sûr. Sans le dire à personne. Vous le saviez, monsieur le maire. Sans le dire à personne. Attendez. Je pense qu'on vous a bien précisé que c'était interdit et que c'était avec la seule autorisation du maire. Mais c'est pas interdit, je vous donne l'arrêté du Conseil d'État. C'est pas interdit. Je verrai, je vérifierai. Vous allez vérifier les arrêtés du Conseil d'État, monsieur le maire? Bien sûr, oui. Pardon? Et alors? Je ne sais pas ce que vous me donnez, là. Un arrêté du Conseil d'État. On verra. Si c'est ça, je le vérifierai, et puis c'est tout, et on l'appliquera au prochain Conseil. Voilà, c'est tout. Allez. Donc, c'est refusé. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Oui. Voilà. Mais oui, bien sûr, riez. C'est pas grave. Riez bien. Vérifier un test, c'est tout à fait normal. Et je le fais appliquer après. Si vous êtes dans votre droit, il n'y a aucun souci. Mais nous sommes dans notre droit, monsieur le maire. D'accord, peut-être. Moi, j'ai pas... Mais vous avez l'information sous les yeux. Mais n'agressez pas, s'il vous plaît. Mais je vous demande de justifier votre décision. Monsieur Charbon, Monsieur Charton, je vous fais sortir pour trouble à l'ordre public. C'est clair, hein. Bon, troisième point. Oui, bien sûr qu'elle est. Troisième.